Seja muito bem-vindo. Bienvenue à Paris. Nous sommes en direct ici au Parc des Princes. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, dans quelques heures, dans quelques jours, vous jouerez ici. Est-ce que vous avez déjà vu cet accueil extrêmement chaleureux des supporters? Oui, je suis très heureux de l'affection, de la réception du public. Ce bain de foule, c'était quelque chose de très bien. Je suis très heureux, très content. Vous avez dit tout à l'heure que la décision était très difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Quitter l'un des plus grands clubs de la planète, essayer quelque chose de différent dans un club qui croit. Foi por tudo que envolvia, né? Tanto Barcelona quanto Paris. Tout ce qui a un rapport avec Paris et le Barça. Le Barça, c'est un des plus grands clubs du monde. Et là-bas, il y a des joueurs très talentueux. C'était difficile aussi par l'amitié que j'avais là-bas. Des amitiés très importantes pour moi. Ça a été très difficile de les abandonner. Prendre sa décision a été difficile. Mais je suis ici aujourd'hui à Paris puisque ce club, je suis sûr, sera un des meilleurs. Tá quase monde. Perto disso. Nous y sommes presque. E o que eu quero é fazer história. Et je viens pour écrire l'histoire ici. C'est ce que je veux, vaincre des nouveaux défis, chercher les meilleures possibilités, essayer de vaincre et de gagner tous les campionnats. J'espère être heureux ici. A decisão foi muito difícil, mas enquanto você estava tomando essa decisão, você estava jogando ainda. Tinha os jogos nos Estados Unidos com o Barcelona. E por mais incrível que seja, você nem parecia estar preocupado no campo. Graças a Deus eu consigo separar oui, grâce à Dieu, j'arrive à séparer la vie personnelle, tout ce qui est en dehors du foot. Donc, quand je suis sur le terrain, moi j'oublie tout le reste. J'oublie tout ce qui est en rapport avec mon nom, ma vie personnelle, la pression, tout ce qui m'arrivait, tout ce que je pouvais avoir dans ma tête. Et je me concentrais sur le foot. Alors, quand le Messi demandait à ce que vous restiez au Barça, ça et ici, les Brésiliens du PSG vous demandez de venir ici. Est-ce que c'était comme ça? Oui, c'était un peu ça. On avait un peu de pression de deux côtés. Mais ce n'est pas pression du mauvais côté. C'était une bonne pression. Je remercie tous mes coéquipiers du Barcelone FC et de toute l'affection qu'ils ont toujours exprimée envers moi et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai pris ma décision, cela n'a pas changé. Donc je leur remercie et je vais garder ça dans mon cœur pour toute ma vie. Tout à l'heure, au Paris Saint-Germain. Ils m'ont parlé un peu de tout, de la ville, des supporters, d'un club qui a des structures très bonnes et que je vais être très heureux ici. Est-ce que vous savez certainement que l'objectif du PSG, depuis que les nouveaux actionnaires sont arrivés, c'est gagner la Ligue des Champions? Oui, oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose. Passe par ma tête toujours, je pense toujours à ça. Je ne sais pas si ce sera peut-être cette saison ou la saison prochaine, mais on va y arriver. Il y a les résultats, bien évidemment, mais il y a aussi des trophées personnels. Le foot est un jeu collectif, mais le ballon d'or est français. Et donc maintenant, vous y êtes aussi et vous êtes plus près. Oui, 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 mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est un de mes objectifs. Mon objectif principal aujourd'hui, c'est de vaincre, de gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Et cela va se passer de façon naturelle. Dernière question. Vous avez déjà appris quelque chose en français? Est-ce que j'ai entendu Paris est magique? Bravo, félicitations. Muito obrigada. Merci beaucoup.